Salutations à toutes et à tous, c'est Gerlogéné, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Bouclier sur Nintendo Switch. Et on est dans les mines de Galar en fait, juste après la route 3 et avant la route 4 j'imagine. Et avant d'aller sur Greenberry je crois, Greenberry, un truc comme ça. Alors, pendant que, entre guillemets, ça encodait etc. et tout, je me suis amusé à faire un petit peu quelques petits combats, histoire de gagner un petit peu d'expérience. Mais c'est vraiment un petit peu. Par-dessus... Tout, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai aussi affronté un Pokémon qui était galère à capturer, Bluzeye. Mais Bluzeye, en fait, c'est l'évolution de Mini-Sange. Et du coup, je savais pas. Genre, dans ma tête, j'ai affronté ce Pokémon. Je me suis dit, mais il est trop bien. C'est peut-être la pré-évolution de Corbac, là, le Corviknight. Je sais plus comment il s'appelle, le Corbeau. Hein. Et du coup, je me suis dit, bah attends, je vais me mettre à fond. Mais en vrai, au niveau de la gueule, genre, il passe de ça à ça. J'ai hâte de voir c'est quoi sa troisième forme. Genre, j'aime bien. Il était stylé. Du coup, ouais, il était assez galère en fait à affronter et il m'a presque poutré carrément. Donc, bon, c'était un petit moment comme ça en fait. Et ça se trouvait dans la route 3. Fallait siffler. Il était sur un ponton et du coup, j'ai sifflé pour qu'il puisse venir me checker. Oh, Topicœur. Ouais, bon, on va pas faire spécialement attention à eux. Genre, j'aurais plus rien en fait pour les capturer. Il m'a claqué tellement de Pokéball l'autre. En fait, la mine elle est trop jolie. Genre, je me balade tranquille. Bon, attends, on a quand même des dresseurs. C'est horrible en fait. Ce que je suis en train de me dire, c'est que j'ai un donjon. Je suis en train de faire un donjon avant de faire mon premier badge. Et du coup, ce donjon que je suis en train de faire, c'est l'équivalent de la forêt de Jade. Limite, on pourrait considérer ça comme ça, en fait. Oh, je sais, en fait, ce que je peux faire, c'est peut-être que je pourrais essayer de tracer et tout ce qui serait un petit peu... Non, en vrai, c'est pas trop grave. Je peux prendre mon temps, en fait. Ok, donc là, il y a un item ici. Parce qu'en fait, ce que je me suis dit, c'est que, genre, je vais tracer, je vais pas faire les combats, etc. et tout. Mais du coup, en vrai, autant que je prenne mon temps dans ce let's play, que je prenne un petit peu la découverte, etc. et tout, parce que peut-être au fur et à mesure, il y en a qui vont avancer, qui vont me tracer, et qui vont trouver des trucs intéressants à me dire, par exemple des trucs que je pourrais rater, et que je pourrais retrouver comme ça. Donc ouais, je vais plutôt prendre mon temps. Même si j'avoue avoir envie de rusher le jeu. Mais en vrai, pour moi, genre les jeux Pokémon, ils se savourent vraiment quand t'as fini le jeu. Coucou! C'est moi que tu cherches. Ouais, donc je disais, en fait, les jeux Pokémon, ils se savourent à la fin, quoi, en fait. La partie où tu as accès à tout le jeu, tu vas aller chercher à capturer tout le monde, entraîner tout le monde aussi. Ok, alors vous avez tous un problème contre mon Goupilou, en fait. Mais genre, clairement. Vous refusez clairement de me le laisser le faire level up, quoi, en fait. Ça brille dans tous les sens. Genre à chaque fois je me dis je peux peut-être ramasser un truc ici. Une grimace qui devient quand même une CT quoi. Genre je sais pas à quel moment ils se sont dit ah mais grimace c'est trop intéressant, faut que ça devienne une CT. Ah. Toi viens là. Il est métal lui. Non il est pas métal. Sol métal ou pas encore? Je ne sais plus. Dans tous les cas, ténèbres, ça passe. J'ai aucun Pokémon de type roche dans l'immédiat. Alors, faut juste pas qu'elle balance des Pokémon de type combat encore. Non, ça va. Sol, Goupilou, il peut enchaîner. Encore enchaîner, c'est vite dit, hein. Ça a juste 95% de précision, mais j'ai arrêté un petit peu trop fréquemment, je trouve. Rototop, ça va encore aussi.
Il est rapide de ouf. Ça va pas? J'ai essayé au moins. Il y a un Pokémon qui était sur le truc, il est parti tout seul. Une paire de grosses bottes. Ah, c'est bien ça. C'est un nouvel item, ça, non? Du coup, genre tout ce qui est piège, piège de roc ou je sais pas quoi et tout, le Pokémon il suit plus. Et je suis pas prêt. J'espère avoir soigné mes Pokémon avant. Toi là, avec l'étoile bleue, tu es peut-être arrivé jusqu'ici, mais c'est la fin de ton aventure pour toi. Un conseil, fais demi-tour ou tu vas passer un mauvais moment. Ok, bon, ça veut dire soigne tes Pokémon, rappelle, tout ça, histoire. Alors, c'est bon. Attends, il n'y a pas d'objet qui traîne dans le coin. On va certainement l'affronter maintenant, du coup. Tu es l'un des challengers recommandés par le maître, c'est bien ça? Quelle vaste blague. Le maître, c'est de la bagatelle. La personne la plus importante de la Ligue, c'est son président, c'est bien connu. Et moi, je suis recommandé par le président, justement. Donc je vaux mieux que toi, Pigé. Tu vas apprendre à t'agenouiller devant meilleur que toi, espèce de minable. Travis, le dresseur. Il se la raconte de ouf. Oh. Psy, ténèbres, je suis bien là. Je suis archi bien. Son thème, il est plutôt cool. Je suis bon prince, j'offre un moment de gloire à ton Pokémon. Non. Non. C'était sale. Oh non, pas l'effort. Voilà, il te reste 4 PV alors du coup. Bibichu. Ah, c'est pas le... Non, pas du tout. Je connaissais pas du tout. Je suis intrigué. Je croise les doigts pour que tu maîtrises du psy. Ouais. Son thème il est grave cool. Il y a une capacité que j'aime particulièrement ces temps-ci et je vais le tester immédiatement. Bon, joueuse, oh, c'est du fait. Ça va m'éclater. Ça m'éclate pas. Oh là là. J'y crois pas. Goupilux, il est chaud. Vas-y. Voilà. Faut pas que j'abuse. Faut archi pas que j'abuse. Bibichu, ça y est, il est tombé. Scrutez-la. C'est bon. C'est encore un autre Pokémon psy. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça ne me ressemble pas. Faut que j'en finisse. C'est ça. Commence à paniquer, mon gars. Donc, hop, on n'abuse pas. On fait un petit sac. On va utiliser un item quand même. Parce que Aspibot, il fait du bon taf. Il faut qu'il continue à faire du bon taf. Ah, je serais pas passé ça. Avec le peu de PV que j'avais. Allez, mange-toi ça. Elle est trop cool sa musique. Genre, je vous jure, franchement, le jeu, si vous avez moyen, jouez-y avec un casque. Ça rend tellement bien. Nickel. Goupilou a fait son taf. J'avais extrêmement du mal sur les derniers combats à le faire monter, hein. Mais là, il a brillé, mais de fou. Je vois. Peu importe, ce n'est pas comme si j'avais réellement mis du mien. La mauvaise foi. Je dois dire que je m'attendais pas à ça. J'avoue, tu te défends. Mais tu es tombé dans mon piège, tout ça c'était juste pour savoir comment tu combattais.
Maintenant que je sais tout sur ton style, je te battrai la plate couture en compétition officielle. Sur ce, tu m'excuseras, mais j'ai vraiment mieux à faire que discuter avec un Nico comme toi. Oh, et ne perds pas ton temps à chercher des étoiles bleues ici, je les ai déjà toutes récupérées. Mais pff, le partage, tout ça, etc. et tout, tu te fais éclater, tu peux partager un peu, non? Vieux gars. Mais du coup, à quoi ça sert de récupérer des étoiles bleues? Genre, t'en fais que ton bracelet, non? Qu'est-ce que tu en fais de plus? Je suis sur la route 4, je pense. Un petit son? Nickel. Je le vois, le centre Pokémon, je vois la ville à côté. Plein de trucs qui m'intriguent. Alors déjà... J'en peux plus. Dans ma tête, je me suis dit, mais c'est pas un Pikachu qui court. Si c'est un Pikachu, ça doit être un Mimikyu. Non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un dresseur. Oh là là. Dylan, le Poké-enfant, veut se battre. Oh! S'il avait autre chose, ça m'aurait grave étonné. Il est trop chou. Oh, c'est pas grave. Oh, tiens, cool! J'étais intrigué, je savais pas à quel level il pouvait évoluer. Oh! Roublenard. Mais attends, mais du coup, c'est un renard! Genre, c'est vraiment trop un mix entre le renard et le. Comment il s'appelle? Et le tanuki. Ou le raccoon, je ne sais pas aussi. Flugudog. Ah, peut-être, attends, c'est ma version. C'est le Pokémon de la version bouclier, ça. Il va apprendre l'arcin. Bah oui, on va apprendre l'arcin, mon grand. C'est utile. Ouais, on va virer ça. Parce que du coup, je sais pas trop c'est quoi la puissance de Baston, mais au moins Baston, ça fait du multi-hit. Ok, donc ça c'est bon. Le petit Dynavolt, je vais bien l'en récupérer. Il est cool quand même, il a une bonne gueule. Ah, il fait beaucoup moins pitié maintenant. Non, pousse-toi, casse-toi, non, cassez-vous. Il y a des gamins qui se baladent en évolue là-bas. Rune purifiante. Ouais, donc ça c'est pour repousser les Pokémon sauvages. Attends, j'ai un dresseur. Oh, attends, j'ai vu un évolue. Oh, putain, trop bien. Trop mignon. Bon, le truc, c'est de ne pas éclater Evoli. Du coup, l'arcin, ça peut être cool, mais je vais plutôt partir sur de la vive attaque. Je vois qu'on avait la même idée. Oh, mais non. Mais ce qui est trop bien, en fait, c'est qu'ils ont gardé les voix, en fait, des Pokémon Let's Go. Parce qu'en vrai, quand même, la voix d'Evoli est tout simplement mignonne, hein. Mais non, mais arrête avec ton jet de sable là. Calme-toi et viens avec moi.
C'est quoi ces Pokémon qui sont totalement récalcitrants à venir comme ça? C'était juste la galère pour capturer un Evoli. J'ai claqué toutes mes Pokéballs, j'en ai plus. Enfin, j'ai plus de Pokéball, je dois avoir d'autres types de balls, mais... De toute façon, un seul me suffit. Qu'est-ce que je... Déjà ça, je récupère. Et je me casse. J'ai entendu un Evo. Bah ouais, il est juste à côté en plus. Je reviens tout de suite, on va aller se soigner quand même. Ok, donc là je suis en train de finir la route 4. Peut-être qu'elle a un objet à me filer. Ah non, du coup, ouais, je voulais au moins faire les combats. Ah putain, j'ai failli lire Jacques l'éventreur. Attends, what? C'est Meowsgalar? J'étais pas au courant du Meowsgalar. Il est un peu dégueulasse. Mais ça se fait pas en fait, genre les Meows... Des autres régions, il est toujours dégueulasse. Meowth à Alola aussi, il était un peu... Genre, il est un peu chubby, en fait, un peu gros. Parce qu'il pouvait plus chasser. T'as toujours un truc comme ça. Et celui-là, en fait, c'est quoi son excuse? Genre, il se rase pas? Il m'a entendu de loin. Ouais. On va quand même aller dans la ville directement. Mon mouton, reviens ici, petit chien lapin. Mon mouton veut percute, ça l'a arrêté net. Oula, rien de cassé, petit gars. Une telle charge dans les guibolles, tu as dû la sentir passer. Désolé, hein. Ce mouton, c'est un vrai rebelle. Pardon. Oh, mais tu es un challenger. Moi, non. Allez, tu peux bien me le dire. Je t'ai vu à la cérémonie d'ouverture. Moi, c'est Percy. Je suis un champion et mon dada, c'est les Pokémon plantes. Justement, j'ai bien envie de voir ce que donnent les petits protégés du maître. Pas donc me voir au stade pour relever mon défi. Tu ne peux pas le rater, c'est tout droit. Allez, viens mon gros. Rentrons au stade. Arrête de te carapater dès que j'ai le dos tourné, ok? Et il y a des challengers qui nous attendent. Mais du coup, spécialiste des Pokémon plantes, moi mon starter c'est un plante. J'ai rien de spécial à part le Bleuzeye que j'ai réussi à choper. Donc ça c'est une bonne chose. Admire un peu Gère, c'est le stade de Grimbury. Ça en jette, non? D'ailleurs, je viens de voir passer Percy, le champion. Il courait vers l'arène. Faut dire qu'il y a du monde qui poireaute là-bas. On n'est pas prêt de se battre contre lui. Ah, pendant que j'y pense, Sonia te cherchait. Elle a une question pour toi. Elle me l'a posée aussi, mais je ne savais pas de quoi elle parlait. Elle est sur la colline. Où est la colline? Je suis un peu nu en explication. Regarde peut-être sur la carte. Un Voltoutou qui vient nous chercher. C'est le Voltoutou de Sonia. Suis-le. Guider les gens et les Pokémon perdus, c'est sa passion. Trop chou. Mais attends, du coup, je vais déjà me soigner, ça c'est une première chose.
Participer à la loterie idée? Ok, dommage. Qu'est-ce que je voulais faire du coup? Toi, je vais te déplacer et te rajouter à la place de corps clair. Parce qu'en fait, le vol toutou que j'ai en shiny. Tac, on va même te mettre ici. Pour te projeter un peu de tout. Il y a juste un seul petit truc, c'est que j'ai marqué. Ok. Pour le moment, il ne m'est pas utile et j'ai pas envie qu'il évolue, vu que j'ai pas envie de le voir évoluer dans cette partie-là, enfin sur bouclier sans qu'il soit passé par épée. Et du coup, Bleuzaï va être peut-être utile. Je vais déjà checker ses attaques. On va faire ça, on va faire rappeler une capacité. Parce que bon, je pense qu'un Bleuzaï niveau 18 a forcément dû oublier des trucs. Pic-pic ou gros yeux. Donc déjà, on va lui faire réapprendre pic-pic. Parce que là, il a arrogance. Il est que de type vol. Ouais, bon, on va virer arrogance. Dans tous les cas, pour le moment, j'en ai pas besoin parce que c'est pas trop mon truc. Peut-être que s'il finit par être ténèbres vol, ouais, ça pourrait être intéressant plus tard, mais dans l'immédiat, j'ai besoin d'un truc un petit peu safe en fait. Même si il a picor quand même. Ok. Donc là, on va aller vers la colline. Voir ce que ça donne. Tellement chou. Ah, je crois savoir c'est quoi la colline. C'est le fameux. Bah, c'est une colline en vrai, voilà tout simplement. Et avec justement un effet un peu bizarre dessus, genre des glyphes qui sont dessus. On n'arrête pas d'en entendre parler là. Et ça fait un petit peu comme comme les aliens. Avec les champs de blé, etc. et tout. Pierre plante. Ok, tant mieux. Merci, votre toutou. Désolé de t'avoir fait venir jusqu'ici, mais c'est pour une bonne raison, hein. J'ai besoin de ton avis. Ouais, voilà, c'est le truc derrière qu'on voit au fond. Il t'évoque quoi, ce géoglyphe? Un phénomène d'Inovax. Moi aussi. C'est un Pokémon géant, j'en suis sûr. Et nos ancêtres, il y a 3000 ans, avaient beau avoir toute l'imagination du monde, je doute fortement qu'ils aient dessiné ça sans avoir vu de Pokémon Dynamax. Comme je te l'ai déjà dit, il y a très longtemps, un tourbillon sombre est apparu dans le ciel de Galar et des Pokémon géants ont alors saccagé toute la région. Ce tourbillon, c'était la nuit noire dont je te parlais. Mais qu'est-ce que c'était au juste? Et quel est le rapport avec ce phénomène Dynamax? Une grand-mère m'a refilé le bébé. Je dois me coltiner toutes les recherches. En tout cas, merci, ça m'a bien aidé que tu me donnes tes impressions. En remerciement, je te donne cette carte de ligue. Ah, la carte de Percy. C'est même pas la sienne. Percy est le champion de l'arène de type plante. Face à lui, mise tout sur des capacités de type feu, insecte ou vol. Et tiens, pour requinquer un peu ton équipe, bonne chance. Ouais, désolé, j'ai dû couper un petit peu le micro parce que j'avais eu une petite toux. Hop hop hop, allez, en route, tu as un combat qui t'attend au stade de Greenbury. Bon, au niveau du timing, ça va en fait, genre je peux me permettre, je crois, de le faire dans la même vidéo.
Et si c'était elle en fait le huitième dresseur, enfin champion? Ça pourrait être marrant. Même si j'en doute un peu pour elle. J'avoue ne pas avoir pigé parce que j'ai pas trop réfléchi en fait. Attends, mais du coup, tu peux pas faire le grand? C'est triste. Non, eux, je leur ai déjà parlé. Et t'as ici des vendeurs de baies. Ah, ténèbres. D'accord, donc les stèles ont tout un petit peu, on va dire, une nature dessus. Enfin, une nature, un type dessus. Ok. Maintenant, je suis ultra intrigué. Est-ce que je peux y aller direct? Mate un peu ça. J'ai eu mon badge plante, j'ai trop assuré. Après, j'avoue, rassembler des moutons, c'est carrément mon truc. Limite, j'ai ça dans le sang. Mais je sais que tu vas y arriver toi aussi. Après tout, t'es mon rival. Le mec, il a profité qu'on me parle pour aller choper le badge, quoi. Ah ouais, tiens, tant qu'à faire, autant mater la carte de ligue. Donc, album. 831? Ah, mais c'est plutôt leur numéro, comme leur numéro de maillot. Comment tu fais pour retourner le truc? Choisir et supprimer? Ah, ok, non, j'ai cru que tu pouvais vraiment supprimer ça, genre, ça aurait été chaud. Ah voilà. Je vous laisse quelques secondes pour que vous puissiez mettre au pot si besoin. Je me mettrai à les lire un petit peu plus tard, cela. Ah, purée. Tellement pressé de rentrer dans l'arène. Copain ball. Attends, il fait un Meowth normal contre un Gameowth de Galar? Ah, mais voilà, c'est ce que je me suis dit, il y a moyen. Oh là là. Uniforme combat, uniforme. Que des trucs des uniformes. Mais là, si j'en achète un, c'est fini, j'ai plus d'argent. Mais c'est trop cool. Je savais qu'on pouvait personnaliser les uniformes. Mais j'aurais préféré plus de une grosse personnalisation en fait. Mais après, là, c'est quand même top déjà ce qu'ils ont fait. Attends, oh non, c'est pas vrai, j'ai quand même une mission d'arène avant. Bonjour Challenger, je suis là pour t'aider à t'inscrire. D'abord, laisse-moi te rappeler les grandes lignes du défi des arènes. Dans chaque arène, ou stade si tu préfères, tu devras accomplir une mission d'arène, afin de pouvoir affronter le champion. Il te faudra vaincre les 8 champions pour obtenir leur badge respectif.
Ah non, mais je suis bête, je devrais pas faire ce genre de truc, le choisir l'autre choix en fait. Donc ouais, je vais participer, le choisir l'autre choix en fait, alors que je sais très bien que c'est juste du tuto. C'est le début du défi des arènes pour toi, bonne chance! La vache, il a du terrain quand même. Il a v'là les dresseurs. Je vais vous skip quasiment tous les combats. Bien, je vais te décrire l'objectif de la mission d'arène de Cranberry. C'est simple et ludique, il faut courir après les moumoutons. Le but est de les rassembler au pied de la barrière en bottes de paille. Ils feront bélier avec leur masse et elle s'écroulera. Tu pourras ainsi avancer. Mais au fait, je me suis pas présenté. Je m'appelle Guido. Je fais office d'arbitre pendant l'émission et j'annonce également les résultats. Sur ce, que la mission commence! Ça va, en fait, j'ai cru qu'il y avait des champions, mais en fait, non. Oh là là, c'est trop fun! Attends, attends. Hop, on va aller prendre une petite direction comme ça. Toi, je te ramène dans le lot. Allez, 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 allez. 20 sur 20. Ils sont trop choux. Alors, c'est quoi le problème là? Il faut que je fasse attention au vol toutou. Ah, ok, non, il a peur. Plutôt simple pour l'instant. Donc j'ai un dresseur qui m'attend de l'autre côté là. Mais elle est pas trop loin là. Tac, équipe. Interchange avec Bleuzaï. Bleuzaï va faire le taf maintenant. Oh, je viens de penser, les fringues que tu peux acheter, c'est peut-être des fringues de challenger, enfin, de. Comment je pourrais dire ça? De champion d'arène qu'il n'y a pas. Parce que là, en fait, j'ai pas vu le plante. Plante, à mon avis, c'est. Vu que tu peux pas t'acheter un maillot de plante alors qu'il y a le champion plante, ou pour l'instant parce que tu l'as pas encore battu, il te passe ceux que t'es sûr que tu vas pas les affronter, comme par exemple les champions acier, les champions poison, ils sont pas dans le jeu. Enfin, il n'y a pas de champion poison acier. Ça expliquerait en fait pourquoi tu peux t'acheter ces maillots-là. Je sais même pas si je me suis fait comprendre. La musique, elle est fun. Finalement, je vais pas couper ce combat-là, quoi. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Et oui, on a le temps de faire des petits câlins aux gens. Déjà, premier temps, je te bats. Ensuite, on verra pour le reste. Ok, j'ai peut-être de la chance. Je pense qu'avec Bleuzaï, ça va être une partie de plaisir. Mais quoique, entre guillemets, les adversaires sont à peu près au même niveau que moi, malgré le multi-exp. Donc en gros, c'est pas aussi abusé que ça pour un début, le multi-exp. Ah, en le battant, est-ce que ça bloque le... Ouais, ça le bloque. Du coup, vu qu'il garde Voltoutou, de mon côté, je suis tranquille. Donc en gros, tu peux le faire sans que Voltoutou te gêne, entre guillemets.
ou tout simplement tu peux le faire avec la difficulté de Voltoutou qui vient gêner un peu. Là par exemple, j'imagine que je pourrais peut-être avoir deux dresseurs, mais ce que je vais faire c'est que je vais passer par ici, ça a l'air d'être marrant. Allez, 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 tout droit, tout droit. Je pense que c'était la dernière épreuve. C'est ça. Ils sont allés se ranger tout seuls. Limite, en fait, il y a des Triforce sur les barreaux. Bon, attends. Du coup, XP, hein. On va pas rater ça. Oh la vache, elle est shootée. C'est bon, elle garde après les deux vols toutou. Donc je disais, les barrières. On dirait trop qu'il y avait une triforce dessus, mais en fait non, ça va dans les deux sens. T'as genre un triangle vers le haut et un triangle vers le bas. C'est trop bizarre. Genre moi je vois une triforce en fait. Mais après c'est moi qui réinterprète l'image à ma sauce, on va dire. Non, non, non. N'y va pas tout de suite. Mission accomplie. On va soigner avant, non? Non, on va soigner avant, j'ai dit. Ah. Ah non, voilà. Alors, astuce de fou. Une fois que t'arrives ici, tu peux faire ça. Vous devez retourner à la réception, tu dis non? Ah non, c'est pas une astuce de fou, en fait. Parce que, lors de la démo, des présentations, etc. et tout, à l'E3, lors des conventions, etc. et tout, PGW, Japan Expo, etc. et tout, t'avais la possibilité de revenir en arrière et ils te proposaient de vouloir soigner tes Pokémon. Ce qui te facilitait un peu le truc. Je pensais que c'était un truc qui était conservé, mais au final, non. Parce que l'une des raisons pour laquelle tu pourrais revenir en arrière, c'était justement soigner un peu tes Pokémon. Ok. Oh là 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 là. J'attendais ça depuis tellement longtemps. Franchement, l'idée de faire un stade pour un match Pokémon, c'est stylé. Genre, t'attends pas. Enfin, déjà, rien que dans le premier épisode de Pokémon, t'es là, tu te dis, il y a un stade, etc. et tout, les gens ils sont là, mais c'est la Ligue Pokémon, quoi. C'est pas genre. Juste un match d'arène. Mon arène est la première étape du défi. Les challengers défilent non-stop ici. C'est pour ça que je dois faire le tri avec une mission qui ne pardonne pas. Mais toi, JR, tu as accompli cette mission haut la main. Je n'en attendrai pas moins que toi. Tu as de très bons instincts et en ce qui concerne les Pokémon, tu les comprends. Ce combat s'annonce serré. Je vais devoir me servir de la puissance du Dynamax. Si je ne veux pas que tu me coupes l'herbe sous le pied. Percy. Oh, la musique. Elle se donne trop cette musique. Percy, le champion d'arène, veut se battre. Tornicouton. Dynamax. Putain, la musique, elle est trop bien. Quand ils se trouvent à un certain endroit de Galar, les Pokémon peuvent devenir gigantesques. Il s'agit d'un phénomène appelé Dynamax. Cette transformation devient possible lorsque le poignet Dynamax se met à briller. Il suffit alors d'appuyer sur le bouton Dynamax. Le Dynamax peut être activé pendant 3 tours. Au cours de ce laps de temps, le Pokémon sous l'influence de Dynamax peut utiliser de puissantes capacités Dynamax. Celles-ci provoquent des effets supplémentaires qui varient selon leur type. Pensez à faire appel au Dynamax au moment opportun. Donc en gros, pas l'utiliser un peu n'importe quand. Oh là là, c'est un effet de caméra et tout, mais il se donne. En fait, le côté spectaculaire est archi cool. Je peux Dynamax avec lui. On va pas le Dynamax. On Dynamax, c'est l'adversaire Dynamax. La musique, elle est archi trop bien. Je commence le tour avec un Picor, ça doit lui faire mal. Donc là, c'est le cas.
Lui, son attaque, elle me fait pas spécialement peur. On enchaîne avec un autre Picor. Je le finis. Oh là 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 là. Avec le public qui s'excite et tout pour les bons moments. Percy, le champion. Ah, Blanc-Coton. C'est quoi Blanc-Coton? C'est l'évolution de Tournicoton? Pas mal, pas mal. Mais foi d'agriculteur, je n'ai pas dit mon dernier mot. Mais oui, je crois que c'est son évolution. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire un aiguisage. Je sais que tu vas battre Dynamaxé. Dynamax en action, c'est l'heure de la récolte. La musique, elle évolue. C'est tellement cool. Alors là maintenant j'ai chaud qu'il me le one shot. Mais je pense pas. J'espère que t'as les gibbles solides, car voici la capacité Dynamax. Ça fait plutôt mal. C'est pas très efficace. Il peut encore me... Il se le balance, je pense, deux fois et il me l'éclate. Il a fait quoi, en fait? Il a fait un truc sur le terrain. Ah! Je crois que ses capacités de type... comment dire? Ses capacités de type plante sont améliorées. J'ai dû avoir ça avec mon starter. En fonction de ma puissance d'attaque de base, celle-ci va augmenter plus ou moins. La musique est trop cool. Allez, c'est parti pour le Dynamax. On va aller picorer tout ça. Aéromax. J'espère juste que... Non, je pense pas. Il n'y a aucun moyen qu'il m'éclate. Sauf s'il passe par une attaque normale. J'ai trop peur parce qu'en vrai, je me dis peut-être qu'il y a moyen. Non, ça va. Ah, tu récupères de la vie aussi. Plutôt cool. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on fait un normal axe? Normal au max. Aéro max. En fait, tous les trucs, c'est en max, qu'en fait. Allez, on refait un aéro max. On va finir ça en beauté. Oh, la vache. Genre, t'as une explosion et tout, c'est un truc de fou. Ah, les petits montées de niveau. Franchement, il m'a fait tout le combat. Il m'a fait même toute l'arène. J'ai bien fait de le capturer lui. J'ai eu beau tout donner, tu m'as envoyé paître. Tu as du talent, Challenger, et ça se voit. Ça me tue en fait, le mec il est tellement stock. Ton entraînement a porté ses fruits. Je te donne donc ce badge plante. C'est la preuve que tu as vaincu le premier champion des défis de l'arène. Ça m'a fait le double. Oh! Stylé! Genre, ça fait carrément tout un cercle, un arceau, je sais pas comment on pourrait dire ça. Mais genre, compléter tous les badges, ça a l'air d'être cool en fait, au niveau du rendu. Vous pouvez maintenant capturer des Pokémon jusqu'au niveau 25. Ah, attends, je pouvais pas. Ah ouais, c'est vrai. Pour compléter le défi, il va te falloir glaner les 8 badges du divers champion. Eh oui, tu as encore 7 champions à affronter et à vaincre. Bonne chance! Bravo pour ta victoire contre Percy. Tiens, une petite CT pour te féliciter. Ah, feuille magique. Je
crois que c'est le truc qui ne rate pas. Ouais, c'est ça. Et en cadeau de la maison, l'uniforme de Percy. Enfin, je veux dire, ce n'est pas le sien, hein. C'est le même que le sien, mais à ta taille. Tu m'étonnes, le truc, ça serait pire qu'un pyjama, c'est une tente en fait, je pourrais le planter pour pouvoir jouer avec mes Pokémon, quoi. Un conseil pour toi, JR. Il y a un ordre à suivre pour le défi des arènes. Tu dois maintenant emprunter la route 5 pour te rendre à Skyford et y défier Donna. Mais rien ne t'empêche de faire d'abord un détour par les terres sauvages. Après tout, tu as un badge plante maintenant. Tu as donc su prouver que tu maîtrisais les bases. Tu devrais y trouver des Pokémon de plus haut niveau que les tiens pour renforcer ton équipe. Mais attention, ça ne va pas être facile de les attraper. Mais justement, en fait, c'est exactement ce que je me suis dit, genre, juste après ce combat, enfin, juste après cette étape d'arène et tout, je me suis dit que j'allais faire un tour aux Terres Sauvages. Ne serait-ce que pour faire quelques combats Dynamax, etc. et tout. Est-ce qu'on m'a soigné? Ouais, tranquille. Ah, alors toi. Premier badge. Voilà, accès à plus de produits. Voilà. Ça, c'est bon à savoir. Ouais, Honor Ball en plus. Du coup, on a droit à quoi? On a droit que à Super Ball et Super Potion en fait. C'est les deux nouveaux petits trucs. Est-ce que je peux lui reparler? Alors hop, je vais passer par ici. D'accord, ouais. Voilà, maintenant on voit mon petit arceau avec le badge plante dessus. On voit mes mouettes. Il y a un PCO, donc du coup, à mon avis, il doit y avoir. Comment on appelle ça déjà? La tour des combats ou les trucs comme ça en fait. Donc, se fait obéir de Pokémon jusqu'au niveau 30. Peut capturer des Pokémon jusqu'au niveau 25. Code carte? Pourquoi code carte? Ah non, je m'en fous de partager ma carte. Ok. Donc première chose à faire, c'est aller se soigner. Ah non, mais pas, c'est quitter la ville et... Percy a perdu, mais bien sûr. Je peux aller où je veux en fait. Non, je pense pas que je puisse aller où je veux. À moins que ce soit déjà... Bah, c'est la route 5, c'est la route qu'il faut emprunter. Ah, ok, non. On va pas le faire tout de suite. On va se laisser ça pour un prochain épisode, en fait. Donc là, clairement, j'ai le smile. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ça fait grave plaisir, franchement, la mise en scène pour les combats d'arène, etc. et tout. Genre, ça en jette, en fait. J'aime bien ce côté un petit peu spectaculaire et tout, en mode, genre, c'est un stade, tout ce qui va avec. T'es là, tu es en train de combattre contre un autre adversaire et tout. Il y a tout cet effet un petit peu, genre, ouais, comme ça, comme j'ai dit, en fait, le terme, c'est spectaculaire. Et cette mise en scène est vraiment archi cool, parce que... Déjà, rien que dans le premier épisode de Pokémon, quand tu mates ça et tout, tu te dis, mais ouais, tu découvres ce genre de truc à la Ligue Pokémon, c'est loin. Alors que là, ça, tu vas pouvoir le revivre à chaque champion d'arène. Genre, c'était un petit peu tristonné dans tous les autres Pokémon et tout d'affronter les champions d'arène d'une manière un petit peu enfin, fermée en fait. C'était toujours à huis clos et dans l'ordre un peu privé. Là, c'est. Genre, pour le défi des arènes, t'as vraiment l'impression que. Les gens sont spectateurs de cette idée-là et ils vont poursuivre un petit peu en fait comment dire, les dresseurs au fur et à mesure qu'ils vont avancer dans leur aventure. Et ça a un petit côté genre j'aime bien, tout simplement. Je trouve ça plutôt cool dans le concept en fait. Franchement, la musique, bon là je suis tombé sur deux musiques, elles sont archi cool. La musique de l'autre gars avec les Pokémon Psy, j'ai déjà zappé son nom, je sais même pas s'il l'a dit son nom en fait, tout simplement, parce que je l'ai même pas retenu. Et justement celle de Percy, bon ça doit être la musique de combat des champions d'arène, donc celle-là elle est archi cool, putain, c'était trop bien. Et la deuxième vague de la musique, c'est-à-dire à partir du moment où il va rentrer avec son dernier Pokémon, parce que là je pense que c'était vraiment le coup de dernier Pokémon, Dynamax, etc. et tout, avec les chants, etc. et tout, mais c'était trop bien, cette musique elle est archi cool, niveau de l'OST, ça défonce.
J'ai pas d'autre chose à dire en fait, tout simplement. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. On s'arrête ici pour l'instant. On continue, hein, bien sûr. On continuera. Donc je vous fais plein de piques après tout. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.